Voilà, le premier qui était donc resté dans sa configuration d'origine. Quant au second, il est déjà câblé avec son transformateur. Le kit en lui-même, tous les câbles déportés, avec des câbles capables de résister à la puissance, évidemment. Donc la diode aussi, puisque la diode va venir en façade. Le connecteur en inversant bien pour avoir le plus sur le rouge et respecter la norme. Le potentiomètre de réglage, l'interrupteur on-off, et bien sûr l'afficheur voltmètre pour la sortie. Il ne peut que trouver un petit boîtier et insérer tout ça dedans. Et bien sûr faire de même pour le second kit.